Tu t'apprêtes à te lancer dans la grande aventure d'un aquarium et à rejoindre le monde magique de l'aquariophilie? Avec quelques conseils contenus dans cette encyclo poisson vidéo, un peu de patience et de persévérance, tu auras bientôt un véritable aquarium. À propos, sais-tu si le poisson rouge vit en eau froide ou en eau chaude? Eh bien, le poisson rouge vit en eau froide, c'est-à-dire à température ambiante. D'autres poissons, appelés poissons tropicaux, vivent en eau chaude, 24-27 degrés. Il faut donc équiper leur aquarium d'un chauffage. Et maintenant, commençons par faire connaissance avec les poissons. Regardons ensemble leurs cinq sens. Penses-tu qu'ils ont de l'odorat? Les poissons ont des narines comme toi et possèdent donc un odorat très développé. Ils se servent même plus de leur odorat que de leur vision, pour trouver leur nourriture par exemple. Et crois-tu que les poissons ont une bonne vue? Les poissons ont un large champ de vision, mais voient mal de loin et uniquement certaines couleurs. Et savais-tu que les poissons dorment les yeux ouverts? Ils ne possèdent pas de paupières, c'est pourquoi il est très important de penser à éteindre leur lumière la nuit. Ils ont besoin d'obscurité. À ton avis, les poissons respirent-ils sous l'eau? Oui, bien évidemment. Pour respirer sous l'eau, les poissons ont un système respiratoire bien particulier. Ils inspirent l'eau par la bouche et l'expirent par les branchies. Les branchies ressemblent à deux petites oreilles très fines situées de chaque côté de la tête, derrière les yeux du poisson.